Et voilà, salut, au revoir tout le monde, on se retrouve donc sur Diablo 4 pour la suite de nos aventures. Où est-ce qu'on en était? Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas touché à ce let's play. On va se faire une petite session de quelques épisodes. On va essayer de continuer cette aventure qu'on n'a toujours pas finie. J'aimerais qu'on puisse y voir clair un petit peu. Hop. Récupérer la thune. Je ne suis pas encore prête. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un événement? C'est quelque chose? On a un Michel avec nous. Que la saison 1 va commencer bientôt. Alors je serai pas dispo pour le démarrage de cette saison. Je sais pas combien de temps il dure. Donc peut-être qu'on n'en verra pas du tout la couleur. Mes sacs débordent. Les sacs débordent. Ok. Bon. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est rentrer en ville. Je sais pas du tout ce qu'on doit faire. On va regarder les quêtes très vite fait. Je vais faire un petit check régie quand même. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça a l'air. Alors nous sommes rentrés en ville, on va pouvoir vider les sacs. Bon, à noter que le jeu s'est quand même sensiblement amélioré au niveau des connexions, des transports de ville, etc. Du lag dans les villes. Donc pour l'instant c'est pas mal. Ok, on va vite faire regarder ça quand même. Pour l'instant, on va pas changer notre équipement, mais ça devrait pas tarder. Plus 49 de dégâts quand même. Vos chances d'infliger des coups critiques aux cibles blessées sont augmentées de 18%. Gnagna. Bon, ok. Pour l'instant, on va pas changer d'équipement, mais ça devrait pas tarder. Est-ce qu'on a quelque chose à améliorer? Éventuellement ça. De confection royale. Faites-en bon usage. Oui. Hop. Je n'ai jamais
jamais vu une telle qualité. Ok. Est-ce qu'on lui rajoute une pierre à ce truc-là? 5% de dégâts sur la durée. 2,5 aux compétences de base. On va se prendre inconsommable également. Augmente l'armure de 50, les dégâts d'épines. Tiens, allez hop. La forge est toujours chaude. Ok. Donc, on a l'acte 5 qui est dispo. Sinon, on a moult millions de quêtes secondaires. Le rejet de la mer. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça, l'hérétique? Ok. On va aller faire ça, c'est juste à côté. Trouver Aneta. Notre portail de retour en ville se ferme, il n'y a pas de souci. Fermez-le. Salut à toi Daskar, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Ça fait si longtemps qu'on t'a pas croisé. Tu ne m'échapperas pas. Est-ce que tu t'es mis à Diablo 4? Non, on doit aller ici, la caverne oubliée. Je suis cassé de partout, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, sauver Aneta des villageois. Je vous en prie! Laissez-moi tranquille! Maudite créature! Hérétique! Vous allez le payer! Arrêtez! Je vous en supplie! Maudite! Arrêtez! Ok. Je me suis fait écraser le pied au travail et je suis tombé sur le bras à cause des escaliers. Oh là là. Terrible histoire. J'étais en arrêt du coup. Je ne suis pas encore prête. Un barbare 52 au monde 3. Ok. Bah n'hésite pas hein, Daskar, si tu veux venir jouer là cet après-midi. Normalement tu peux rejoindre la partie je pense. Est-ce que ça va? Oh non, c'est encore moi qui ai fait ça. Pas vrai. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Ne vous approchez pas. Je ne veux pas vous faire de mal. S'il vous plaît, dites à ma mère que je suis désolée. Tellement désolée. Alors, Daskar qui arrive donc dans la partie. Je vous en prie, ne vous approchez pas. Parlez à Vera. Ah ça y est, on a récupéré la boîte. Hop. Alors, je sais pas trop comment ça se passe parce que Daskar donc a un personnage niveau 52. Mais d'un monde supérieur, parce que nous on est en niveau 1. Hein. Le perso est niveau 48, alors je sais pas du tout comment le jeu va gérer ça. Attendez, il faut qu'on aille parler à Vera, faut pas que je me dissipe. Vera elle est où là? Vera elle est là-bas. Bon. Je te rejoins dans ton monde, mais je verrai les mobs de mon niveau. Ok, bah pas de soucis. Voilà, ce qu'on va faire là, du coup, bah, c'est essayer de vider les quêtes secondaires. Hein. Il y en a pas mal en attente.
Zarbinzette. Quoique, est-ce qu'on n'irait pas vers l'acte 5? Attends, les petits freeze. Peut-être le petit freeze de connexion. Putain, niveau 40, ça doit pas être Daskar, ça. Déconnexion réseau, diantre. Client du jeu était déconnecté du serveur. Je peux même te suivre dans ton histoire principale. Ah bah ok, parfait, on va faire ça alors. Si le jeu veut bien nous laisser sur le serveur. On y retourne, file d'attente, ça va, c'est pas trop long. Donc ouais, cette saison 1 qui commence le 20 juillet, alors je sais pas du tout ce qu'elle propose, j'ai essayé de chercher quelques infos, j'en ai pas vu. Donc si vous savez, n'hésitez pas. Il vaut mieux finir l'acte avant le début de la saison. Ok, bah on va faire ça tout de suite. On finit avec Vera. Bah, ils nous ont remis où on voulait aller. C'est parfait. Encore que. Je dis ça, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Oui. Tu la caches, ça va être encore pire pour toi. Je vous ai dit de partir. Je ne sais pas où est cette idiote. Jetez à l'œil. Aneta a pris la fuite. Où a-t-elle pu aller? J'espère qu'elle ne reviendra pas cette fois. Je suis mieux toute seule. Tant pis pour ses grandes idées. Visant à me guérir. Psst. Hé, vous, là. Venez dehors. Alors, quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Je sais bien. J'ai essayé de vous mettre en garde. Vous auriez dû m'écouter. S'il arrive quoi que ce soit, ce sera de votre faute. Elle a essayé de vous guérir? Elle me donnait constamment une horrible décoction faite de... je ne sais quoi. Elle a même essayé de me traîner à Wajinani. Il y a des guérisseurs là-bas, ils peuvent nous aider. Comme si ces primitifs pouvaient quelque chose. Ok. Et dehors, trouver d'où vient la voix étouffée. Suivez-moi. Oui, Daskar rejoint. Nous sommes avec Artam, donc. Vraisemblablement un barbare. Pourquoi me parlez-vous à voix basse? C'est vous qui essayez d'aider Aneta. Elle est si bonne. Elle ne mérite pas ça. Elle veut guérir sa malédiction. Il y a un vieux livre de remèdes traditionnels qui parle de sang corrompu. Si vous le trouvez, vous pourrez peut-être découvrir où elle est allée. Et je vous en prie, faites vite. Vous êtes peut-être la seule autre personne de tout Awezar qui se soucie de cette fille. Ok. Fouiller les maisons pour trouver le livre de remèdes traditionnel. Il n'y a pas 150 millions de maisons dans la zone.
Il y avait un truc là. Ces armes étaient clairement négligées, ok. Bon. Hop. Voilà, on est avec Agdaskar là. Un ancien livre qui décrit les usages médicinaux de la flore et de la faune. Voilà. Alors, il faut qu'on aille au terrier aveugle qui se situe là-bas. Ok, bah c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Hop. Non, pas en ville. Je sais plus comment on galope. Non, pas comme ça. Allez, changement de zone là. Hop, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Petit ralentissement toujours. Hop. Est-ce que tu vois le marqueur de ton côté ? Oui, ok, parfait. Je sais plus quelle est la touche pour galoper. Ah, c'est espace. Oula. Oula, entre deux frises. Attendez, j'ai perdu ma souris. Lol. C'est bon, elle est revenue. Vous allez bien ? Je ne me sens pas bien. Ah, les voix sont si fortes. Elles me crient dessus. J'ai besoin du venin des araignées de cette grotte. Je dois rentrer chez moi, retrouver ma mère. Pitié. Donc voilà, on va faire cette mini-quête, puis après on ira vers l'acte 5. Alors, tuer les villageois 3, récupérer venin d'araignée 8. Elles nous ont pris, échappées aux toiles d'araignée. Et fuis. Vois rien. Trop sombre. Décapité Julius. Mais malgré tout. Oh. Je les entends se rapprocher. Petit diamant quand même.
Et dans ces cas-là, t'as les objets également du coffre d'Ascar? Ok, bon, chaque joueur a ses objets, quoi. Alors, venin d'araignée, on est à 2 sur 8. Sur 8 toujours. Le quatrième est là. Allez, plus qu'un, et après il faut qu'on tue les villageois infestés. Voilà, ça c'est fait, retourner auprès d'Aneta. Alors attends, parce qu'il y a les villageois. Alors tuer les villageois avant. Alors attends, on est où là? En bas à droite. Et il en reste encore un.
Ah, désolé, je me mets souvent en mute parce qu'en ce moment, petite bronchite qui me fait tousser beaucoup. Mais on va où là? Ah oui, on va ici. Ok, aller au Havre de minuit. Alors là, c'était de l'autre côté. Genre là-bas. Je sais pas si je vais du bon côté là. Que s'est-il passé? Pas assez d'énergie. D'énergie. Je n'ai plus d'énergie. J'ai été séparée. Mes amis se sont fait massacrer. Seule, je ne tiendrai pas longtemps. Plus d'énergie. Ça ne s'arrête pas si tu le savais. Il me faut plus d'énergie. Oh. Une petite explosion sévère là, dans la barre de vie. J'ai besoin de temps pour faire ça. Merci à vous, étrangère.
sans vous, je serais morte. Je devrais pouvoir me débrouiller seule à présent. Tenez, prenez ceci. Elle avait tout un coffre dans ses poches, incroyable. Qu'est-ce qu'on a récupéré alors ? Ah, petite arbalète sympa. Tiens, hop. Ça, on pensera à récupérer la gemme. Et puis maintenant on est bon. Alors il faut qu'on aille au... Ah non, on n'est pas bon. Il faut qu'on aille au Havre machin. Éclair. Ah non, il n'y en a pas venu à bout. Il s'est passé autre chose. Hein. J'ai besoin de temps pour faire ça. Terrier aveugle, hein, c'est fait. Il n'y avait pas un coffre par là? Il n'y avait rien d'autre. Donc retournez auprès d'Aneta. Alors, je crois que Daskar il est sorti du donjon, moi je suis retourné en ville. Petite info, tu fais le donjon et clique sur la sortie du donjon. Attends, je vais voir si je peux cliquer sur toi par exemple pour revenir direct. J'ai découvert ça hier. GG. Il y avait dans la roulette des emojis là. De quoi quitter le donjon, mais. Alors attends. Est-ce que je peux cliquer sur toi par exemple? Chuchoter, nommer responsable du groupe, exclure, supprimer, bloquer. On peut pas se téléporter sur toi direct. Bon, je reviens. Hop. Bon, c'est pas très loin. Non, c'est ça qu'on veut. Hop. C'est impossible ici. On est encore considéré comme en ville. Ça y est, on sort. Petit freeze. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Oula. Puis là qui nous renvoie en arrière. Ça par exemple, ce serait plus cool quand même qu'ils nous permettent certes de jouer avec Daskar, parce qu'on a envie de jouer avec lui, mais
pas avec les autres là, qui nous font laguer pour rien. Vous êtes sûr de vous ? Non. Mais c'est le seul moyen que j'ai de rentrer chez moi. Ah ! Par les dieux ! Ah ! Ça fait mal ! Bien sûr que ça fait mal. Tu as ingéré du poison. Qui êtes-vous ? Laissez-moi tranquille ! Pourquoi est-ce qu'on est en feu ? Ton sang est en feu. Ah. Ferme les yeux. Et respire lentement. Comment ? Nous discuterons plus tard. Pour commencer, bois ceci avant de tomber raide. Alors, parlez à Gulias. Qui êtes-vous ? Mon nom est Gulias. Cette enfant n'est pas maudite. Elle a un grand pouvoir en elle. Elle a été choisie par le Marais, comme je l'ai été il y a des années. Qui ça ? Moi ? Oui, Aneta. Tu es promise à devenir une sorcière du pays d'Awezar. Mais je ne peux pas ! Je ne peux pas abandonner ma mère ! Elle est malade ! Elle a besoin de... Tu ne peux pas l'aider dans cet état. Mais je promets de t'apprendre comment prendre soin d'elle. Comment contrôler ton pouvoir. Je... Aneta... Tu ne peux pas fuir ton destin. Ce qui va suivre va être très difficile. À commencer par un long voyage vers la côte est. Ok. Parlez à Vera. Attendez, elle est où Vera ? Elle est juste là. Vera, que faites-vous là ? Vous ! Vous l'aidez ! Je l'ai vu ! Où sont-elles allées ? Dites-le-moi ! Non. Pour qui vous prenez-vous ? C'est ma fille ! Ma fille ! Quand les autres vont savoir ça, vous allez le regretter. Récupérer le souvenir d'un état. Oui. Trouver un état, décidément. Alors. Je devrais rapporter ça. Hop. Allez, c'est parti. C'est dommage qu'on puisse pas combattre à cheval quand même. Ah, les lags de fifou. Quoi ce truc qui brille là ? Attends. Attends. Il s'est passé un truc sur la carte. Pas de coffre, que dalle. Oups. Trompé de touche. Allez, déclin de la lumière.
J'ai besoin de temps pour faire ça. Ah, désolé, hein. Si tu vois le cheval s'arrêter de temps en temps, c'est parce que j'ai des frises. Des espèces de lags. Voilà. Que s'est-il passé ? Ah mais on est arrivé. Non. Comment ça non? Alors, ordre de Bérolt, un parchemin imprégné de sang. Bien. De retour après le crash, on va lire les ordres de Bérolt. On va accepter Daskar dans le groupe. Bérolt, notre priorité absolue est de sauver nos frères et sœurs. Une fois qu'ils seront en sécurité, débarrasser les ruines de tous les hérétiques. Prenez garde. Une présence surnaturelle rôde de l'autre côté de ces murs. Ah. Alors attendez, on a un point à distribuer. Bombe fumigène, non merci. Dissimulation. Qu'est-ce qu'on faisait? Je ne me souviens plus. Sombre voile, piège de poison. C'est quoi ça? Compétence imprégnée, ont 3% de chance supplémentaire d'infliger un coup critique. Pourquoi pas? Je me souviens plus du tout ce qu'on était en train de faire avec ça. Ça c'est fait. Hop. On est en train de faire ça peut-être. Après avoir effectué un déplacement, vos prochaines attaques infligent 7%. Non, écoutez, on va prendre ça. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on doit aller ici. On est reparti. Daskar nous a rejoint. Alors, bastion à proximité. C'est galère du lag un peu. Hein. Bon, on prend un petit peu d'expert en passant sur la route. Voilà, et là on y est, il faut trouver Aneta. Là-dedans.
Voilà, je vais m'étouffer en live. Bon, ça va, hein, ça se soigne petit à petit, mais... Il reste encore un peu de tout, ça et là. Sorti du truc. J'ai rencontré l'arbre des murmures. Vraiment. Je suis impressionnée. Je n'ai moi-même pas été en présence de l'arbre depuis un certain temps. Il doit avoir un réel potentiel. Ou plutôt une grande valeur en vous. Connaissez-vous Zurk? Alors vous l'avez rencontré. En effet, je connais Zurk et ses intérêts. Et même s'il me répugne, il joue lui aussi un rôle important vis-à-vis de l'arbre. Enfin, je crois qu'on a deux trucs à la fois là qui se passent. Quoi ? Éteignez les bras zéro étranges. J'ai trouvé votre collier, tout va bien. Ah oui, merci. Ça va aller. Le rituel de Goulias est quelque peu éprouvant. Seulement quand des visiteuses bien intentionnées mais ignorantes viennent semer le trouble. Les voix se sont-elles tuées, Netta? Est-ce que tu parviens à les comprendre, maintenant? Les entendre est toujours aussi douloureux. C'est une vraie cacophonie. Désolée. Inutile de s'excuser pour ce qui est hors de notre contrôle. Quelque chose continue d'altérer ton sang. Il ne me reste plus qu'une chose à essayer. Alors, pourquoi Aneta invoquait-elle les démons? Lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, la magie amenuise la frontière qui nous sépare des enfers. Aneta, n'essayez pas d'invoquer des démons. Ils ont été attirés ici sans qu'elle le veuille. Qui êtes-vous, Goulias? Je suis une sorcière, servante de l'arbre des murmures et par extension de tout Aouezar. J'ai entendu l'appel lorsque j'étais enfant, tout comme Aneta. Certaines personnes sont appelées, d'autres sacrifiées. En tous les cas, notre destin est de protéger cet endroit. Ok, que devons-nous faire? Cette magie est ancienne. Elle devrait calmer son sang. Ce sera douloureux, Aneta. J'espère que tu es prête à payer le prix de la guérison. Je suis prête à tout pour que ça marche. Bien. Alors rapporte-moi 4 fois tuméfiées de créatures putrides vivant dans la région. N'ayez crainte, je m'en charge. Mais lol, les quêtes de course, hein? Si Aneta quelqu'un pouvait surveiller mes arrières pendant que je suis à l'heure, je ne dirais pas non. Entendu. Quand tu auras fini, rejoins-moi dans la clairière cachée à l'est d'ici. Alors, aider Aneta à récolter des fois tuméfiées, fois 4. Donc, c'est là-dedans. On va passer par le petit tas de thunes.
Pourquoi est-ce que j'ai plus mon truc là? Ah d'ailleurs, attendez, je vais reprendre une petite potion. Non, c'est bon, c'est encore actif. Bénéficier d'un bonus d'expérience. Bon, les fois tu méfiais, ça n'a pas l'air gagné. Hein. Regardez. Oh, ok. Ne soyez pas trop sévère envers Goulias. Elle s'occupe bien de moi. Elle m'enseigne des méthodes de soins que je n'aurais jamais apprises dans les livres. Bon, donc plus que 3. Ce petit couloir au cas où. Qu'est-ce que c'est? Une effigie usée. Nouvelle quête secondaire à fermer. Merci de m'avoir apporté le collier. C'était un cadeau de ma mère. Je sais qu'au fond, elle m'aime toujours. Thank you.
Ok. J'espère que ça marchera. Je pourrai alors rentrer et prouver à ma mère que je ne suis pas un fardeau. Donc là, on a les quatre. Ça m'a l'air assez putride. Rejoignons la clairière cachée. Ok. On va essayer d'esquiver l'événement. Je porte déjà trop de choses. Bon, ça va, c'est respectable pour une quête secondaire. On est à peu près une heure de quête. Même si, voilà, on nous fait faire quand même des trucs habituels. Aneta, mets les foies dans le bol. Dès que tu te sentiras prête, nous pourrons commencer. Alors, parlez à Goulias. Tout est prêt. Bien. Le rituel est simple. J'attirerai les bêtes ici, et vous les abattrez près de l'autel, jusqu'à ce que le bol soit rempli. Aneta, protège-toi comme je te l'ai appris. Oh, je... compris, Goulias. Ok, donc remplir le bol. Pas assez d'énergie. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Madagascar est revenu. Cela devrait suffire. Aneta, prends le bol et bois autant de sang que possible. Elle pratique la magie profane! Mère! Qui es-tu? Qu'es-tu devenue? Non, tu ne comprends pas. Goulias m'a... Comment oses-tu me parler sur ce ton? Son âme appartient aux démons désormais. Tuez-les tous! Ah. C'est de ta faute. Tu as engendré cette maudite créature. Le sang de ses victimes est sur tes mains. Non! Meurs, sorcière! Arrêtez! Non! Maman, arrête! Continue de les suivre un peu partout.
résister. Je peux te guérir. Ne t'avise pas de me toucher. Tout ça, c'est ta faute. Maman, écoute-moi. Arrête. Aneta, toutes mes condoléances. C'est pas juste. Je voulais simplement l'aider. Aneta, personne n'aurait pu aider ta mère. Malgré tout ce que j'ai fait, elle n'a jamais changé d'opinion sur moi. Je suis restée une enfant maudite à ses yeux, jusqu'à son dernier souffle. Mon enfant, on ne peut sauver quelqu'un qui refuse de changer. Ta mère avait décidé qui elle était, bien avant que tu naisses. Les voix, elles se sont enfin tues. Il est temps que je m'en aille. Retourner à la masure de Gullias. Aneta est déjà partie. Vous ne la reverrez plus, mais elle vous a laissé une lettre sur la table. Ah. Lettre d'Aneta. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous dire au revoir. Les voix dans ma tête m'ont sollicité, et j'ai dû leur répondre. J'ai demandé à Gullias de ramener le corps de ma mère à Zarbin Zeth. Elle a à peine protesté. Je ne saurais comment vous remercier. Vous m'avez maintes fois protégée du danger, alors que vous me connaissiez à peine. Je promets de ne pas gâcher la chance que vous m'avez offerte. Ce n'est pas grand-chose, mais je tenais à vous offrir un souvenir. Merci. Pour tout. Alors, là-dessus, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On va juste prendre la petite quête avant de partir. On va retourner en ville. Et puis après, on attaque l'acte 5. Vous avez une mission pour moi. Attendez, non, on va pas la prendre, on va aller en ville tout de suite. Et on se retrouve pour le prochain épisode après un petit cut. A tout de suite.